Dans cette vidéo, je vous expliquais le système de promo flash que j'utilise dans tous mes business. J'utilise sur mon business de web marketing, sur mon business sur comment apprendre l'anglais. Et c'est en fait le système qui me permet de faire des revenus avec les anciens inscrits de ma liste chaque semaine ou alors toutes les 2 semaines. Ça dépend de la fréquence en fait des promotions. Mais ça, c'est hyper important. C'est un truc que vous devez mettre en place. Il y a une méthode très simple. Moi, j'ai créé une méthode pour vous permettre de le faire. Dans la première étape, je vous explique comment ça fonctionne. Je vous explique surtout comment calculer les indicateurs clés. En fait, j'ai une feuille Excel. Vous pouvez noter les résultats de vos campagnes, de vos promotions. Vous notez le chiffre d'affaires. Il y a les indicateurs clés qui vous permettent de comparer l'efficacité de vos promotions, l'efficacité de vos offres. Ce qui vous permet non seulement de comprendre si une offre elle a cartonné ou si une offre elle a pas très bien marché. Parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, c'est un truc qui peut être trompeur. Parce qu'en fait, vous avez d'autres facteurs. Il y a notamment si votre mailing a bien marché, même si votre offre n'est pas terrible, comme vous avez eu beaucoup de gens qui ont vu l'offre, vous pouvez faire un chiffre d'affaires tout à fait correct. Donc, vous pouvez vous dire, voilà, cette promotion, elle est bien. En fait, cette promotion, elle n'est pas bonne du tout. Elle a fonctionné uniquement parce que vous avez eu beaucoup de gens qui sont allés voir la page de vente. Mais en pratique, ça n'a pas très bien performé. Donc, je vous donne l'indicateur clé que j'utilise. C'est vraiment important, c'est fondamental. Ça vous permet de comprendre quelles sont les offres qui fonctionnent mieux. Et ça vous permet bien évidemment d'affiner votre marketing pour dans le futur sortir des offres qui sont beaucoup plus efficaces et qui vont mieux performer sur votre liste. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je vous explique comment définir un calendrier de promotion, c'est-à-dire vous allez changer votre business, vous allez passer d'un business un petit peu d'amateur où on fait des promotions, on ne sait pas vraiment quand en fait, et puis on ne gagne pas d'argent et puis on se demande pourquoi, alors qu'en fait c'est tout simplement parce qu'on ne fait pas de promotion. Donc là, je vais vous expliquer comment mettre en place un calendrier de promotion dans votre business, c'est-à-dire que vous allez dire, à partir de maintenant, on va faire une promotion toutes les semaines, une promotion toutes les 2 semaines. Ça peut même être une promotion par mois, il n'y a aucun souci, mais l'idée c'est d'avoir un rythme. Donc ça vous permet de savoir, ok, je sais que les derniers mois, j'ai fait une promotion par mois, j'ai gagné tant. Donc je sais que les mois suivants, je vais gagner tant. C'est hyper important, ça vous permet de mieux pouvoir piloter votre business puisque vous savez que vous avez un volume d'activité récurrent et vous avez vraiment le contrôle sur les choses. Donc je vous explique comment faire des promotions. J'ai une méthode qui est très simple. Cette méthode, je l'ai même améliorée parce que j'utilise ce système. Ça fait maintenant 2 ans dans mes 2 business. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un système qui me permet de préparer une promotion entière en 1 heure de temps. Donc, je vous explique tout. Je vous ai préparé un bonus en fait qui vous explique comment je fais. Dans la troisième partie, vous allez voir, je vais vous expliquer comment améliorer vos promotions. Je vais vous expliquer comment les optimiser également par rapport à votre politique de prix, comment ancrer des prix hauts. Et ensuite, pour pousser les gens à acheter quand vous faites des promotions. Et vous allez même faire des ventes à plein tarif. Donc, c'est une politique qui est doublement rentable parce que vous allez faire des ventes chères, mais en plus, vous allez ancrer un produit cher. Donc, c'est vraiment une méthode qui, moi, a changé mes business, qui nous a permis de nous structurer. Il faut savoir que dans un de mes business, mon business sur comment apprendre l'anglais, c'est même pas moi qui fais le travail. En fait, c'est un membre de mon équipe que j'ai formé. Il utilise la méthode, il fait tout. On se met juste d'accord, s'il a une question, en pratique, non, je n'ai même pas à intervenir. C'est lui qui définit le calendrier. On a défini une fréquence, donc on fait une promo toutes les 2 semaines. C'est lui qui définit le calendrier, donc il dit telle semaine, on va lancer tel produit, telle semaine, on va lancer tel produit, telle semaine, on va lancer tel produit, etc., etc. J'ai rien à faire, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui envoie les emails, c'est lui qui note les résultats des promotions sur la fameuse feuille Excel, le tableau de bord. Et ça nous permet de faire des revenus récurrents tous les mois avec ce petit business en plus des autres ventes qu'on fait. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'ai préparé une méthode pour vous permettre de mettre en place ce système dans votre business. C'est vraiment ce qui va vous permettre de passer de amateur à professionnel puisque vous allez mettre en place un système qui vous permet d'utiliser votre liste, de dire à partir d'aujourd'hui, je suis un professionnel, je vais faire des promotions toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Ça peut même être toutes les 6 mois. Je ne sais pas si vous partez au Groenland pendant 6 mois, etc. 2 fois par an, vous avez que 2 fois où vous pouvez faire une promo. Vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez absolument mettre en place dans votre business. C'est quelque chose qu'on a. C'est un des premiers trucs que je mets en place dans le business de mes clients coaching qui me payent 6 000 euros pour faire un coaching et doubler leur business. Donc, c'est des gens qui font déjà au moins 1 000 euros. Mais même si vous n'êtes pas encore à ce niveau de revenu, c'est important d'avoir déjà un petit peu ce système que vous allez mettre en place qui va vous permettre de vous professionnaliser, d'avoir les bons réflexes, de calculer la rentabilité de vos promotions, même si vous faites des promotions affiliées. Moi, c'est quelque chose d'important. Je vois des affiliés qui font des promotions de produits, de campagnes. Et comme ils n'ont pas cet indicateur clé, en fait, ils ne savent pas vraiment si c'est rentable. Ils ne peuvent pas le comparer. En fait, s'ils comparaient, ils pourraient…
Après, ça dépend de l'efficacité de leurs offres et des offres dont ils font la promotion. Mais c'est l'outil que je donne à tous mes clients premium, à tous mes clients coaching ou alors à mes clients en mastermind, qui leur permet précisément de savoir, voilà, quelle est l'efficacité de cette offre, quelle est l'efficacité d'une offre affiliée, combien ça rapporte précisément à chaque fois. Il y a une mesure qui est exactement précise. Donc, pour télécharger la méthode tout de suite et la mise à jour où je vous explique comment mettre en place ce système et faire des mises à jour, faire des lancements chaque semaine ou toutes les 2 semaines, très rapidement, en 1 heure de temps, toujours en apportant du contenu nouveau pour que les gens continuent à ouvrir vos emails, cliquez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.